Donc, nous, on veut juste faire une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser le Ziplava. C'est un instrument qui permet de mesurer des élévations. Donc, la première chose à faire avec le Ziplava, c'est de sortir l'interface électronique, puis de sortir du fil pour aller prendre nos mesures. Ensuite, on a des crochets ici qu'on peut piquer dans le sol pour s'assurer que notre base ne bouge pas durant les mesures parce que ça pourrait fausser nos résultats. Donc, on peut tout simplement piquer ça dans le sol par les trous ici. Comme ça, on est sûr que notre Ziplava va rester en place. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. On a un bouton on-off pour l'allumer. Par la suite, on peut changer la résolution. Donc ça, si on veut obtenir des mesures plus précises ou moins précises. Donc, par exemple, si je pèse sur résolution, là, j'ai des mesures aux 2000 mètres. Aussi, je pourrais avoir des mesures en pieds ou en pouces si on le désire. Donc, pour ça, il faut tout simplement appuyer sur Scale. Mais nous, ici, on va faire l'exemple en centimètres. Par la suite, pour commencer avec le Ziplava, il faut faire une mesure à zéro qui va être en fait notre référence. Donc, ici, notre exemple, c'est un piézomètre. Donc, ce qu'on veut faire, c'est mesurer la hauteur du dessus du piézomètre par rapport au sol. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'est tout simplement prendre une surface de référence du Ziplava qui est habituellement soit le dessous ici ou comme ça. Donc, je mets l'interface sur le piézomètre, puis j'appuie sur zéro. Donc là, c'est comme si j'aurais un plan imaginaire au sommet de mon piézomètre. Et là, si je veux savoir la hauteur par rapport au sol, j'ai juste à prendre plusieurs mesures et faire la moyenne. Donc ici, on a 13,2 cm. Ensuite, 12 cm. Et 11,6 cm. Donc, il restait seulement à faire la moyenne de ces trois mesures pour connaître la différence d'élévation. Et puis, comment que ça fonctionne, le Ziplava, c'est qu'il y a un liquide dans cette corbe jaune-là. Et puis, l'appareil mesure les différences de pression. Donc, c'est important que quand on prend les mesures, que le fil ne bouge pas parce que la mesure ne pourra pas se stabiliser. Donc, ça, c'est un appareil qui est super pratique, facile d'utilisation. Je pense que vous n'aurez pas de difficulté à l'utiliser. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous être utile.